Chers téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Vivre Libre, au-delà des sentiers battus. Aujourd'hui, nous allons accueillir un intervenant avec lequel nous allons parler de gouvernance, de bonne gouvernance, d'imaginer un monde où l'on vit libre. Comment ça se passerait la gouvernance? Comment on dirigerait un pays, une entreprise, une école, voire même une famille, qui sait? Ou même votre couple? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec François Mongis. Bonjour François. Bonjour. France. Je regarde la caméra. Ouais, ta caméra, elle est là, d'accord. Mais on peut se discuter, on peut se parler comme ça, okay. Toi et moi. François, toi, tu étais ingénieur et maintenant, tu as la retraite, tu as une association qui s'appelle Énergie Environnement et tu nous as préparé un petit sujet. Tu vas en parler. C'est quelque chose que tu aimes bien. C'est la gouvernance. La première question que j'aurais à te poser, ce serait... François, imaginons qu'on est dans un monde où on vit libre, on est fier de vivre libre, comment se passe la gouvernance d'un pays? Quelles sont les erreurs qu'on évite tous les jours? Comment on fait? Comment on s'y prend? Ça se passe comment? Si on imagine dans un monde idéal, on l'imagine. Alors pour moi, le monde idéal, c'est pas exactement... Ça commence pas par la liberté, si tu veux. Pour moi, le monde idéal, ça commence par l'équilibre. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ce qui nous empoisonne la vie aujourd'hui, c'est le déséquilibre. Et donc, c'est un petit peu les histoires des tribus primitives dans la forêt équatoriale. Des ethnologues ont fait des études et ont trouvé qu'ils avaient plus de loisirs que les sociétés civilisées qui prétendent que le progrès allait nous libérer du travail. Et nous proposer des loisirs, voilà, sophistiqués. Exactement. Donc, si tu veux, voilà déjà un petit flash qui nous dit on est à côté de la plaque. D'accord. Ils avaient plus de temps de loisirs, plus de diversité de loisirs. Le chasseur-cueilleur a plus de loisirs que le salarié moderne. C'est pas surprenant. En qualité de loisir, en diversité. Il a du loisir, c'est-à-dire il a des moments où il n'est pas obligé d'aller à la chasse, il n'est pas obligé de gratter la terre. Voilà. Il peut jouer en fait, il peut s'amuser. Je ne connais pas les détails de l'étude, mais si tu veux, grosso modo, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que nous sommes dans une société contrainte, où effectivement il n'y a absolument aucune liberté. Quoi. D'accord. Et si nous étions dans cette société qui vit libre, si nous étions comme ça? Comment ça se passerait la gouvernance? Alors, s'il y avait cet équilibre dont tu parles. Moi, j'ai gardé ma curiosité de gamin. Il faut pas s'en cacher. Et je pense que c'est très important pour nous, les humains, de conserver cette curiosité des enfants. Et qui malheureusement est étouffée souvent dès l'école. Parce qu'on dit aux gamins, en fait, tais-toi. Ce serait un monde dans lequel la curiosité serait permise. Voilà. Le fait de découvrir serait autorisé. Il faut laisser s'épanouir la curiosité naturelle des êtres humains. D'accord. Donc ce serait un monde... On imagine qu'on est dedans, tu vois, c'est un exercice. On imagine qu'on est dedans. L'école, l'instruction nous permet de vivre dans une société avec des temps de loisirs. On peut se rencontrer, jouer, s'amuser, on a du temps. C'est aussi un mode de vie dans lequel la curiosité serait au centre, selon toi. C'est ça. Reprenons l'exemple de la tribu primitive en forêt. Ça se rapproche beaucoup du monde animal. Hein. Ouais. Le petit sauvage, hein, entre guillemets, humain,
Il est exactement comme le petit lion ou le petit cheval ou le petit ours qui vient au monde. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux, il apprend petit à petit, il joue avec ses camarades, il se bagarre quelquefois. Voilà. Et petit à petit, à force de regarder ce qu'il y a autour de lui, il agrandit petit à petit son centre de sa connaissance du monde qui l'entoure. Et la grande qualité des humains, c'est que au lieu de se contenter, comme la famille de gorilles par exemple, de vivre au jour le jour et puis de pas se poser de questions, l'humain, lui, il se pose des questions, il voit les choses globalement. Il sait qu'il est sur une planète, entre parenthèses, la plus belle planète de l'univers, hein, faut pas l'oublier. Hein, et il est voilà. Et malgré ça, malgré cette réflexion, eh bien, on a construit une société complètement aliénée, je dirais. Où l'homme n'a pas de liberté. Aliéné, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça avec un autre mot? On pourrait dire société esclave. Une société contrainte, une société où il n'y a pas de liberté. Enchaînée. Si tu veux, tous les salariés savent très bien que à la fin du mois, on a souvent plus beaucoup d'argent, que pour nourrir une famille nombreuse, il faut beaucoup travailler. Je crois que c'est quelque chose que tout le monde ressent très profondément. Donc ce serait un monde dans lequel, si on vit libre ou en équilibre, selon toi, ce serait un monde dans lequel il y aurait de la curiosité, il y aurait de l'équilibre, il y aurait du temps libre de loisirs. Et avec ça, du coup, comment on gouverne notre quotidien? Parce que aujourd'hui, on sait qu'on gouverne notre quotidien avec une primauté au temps, à l'argent, à la notoriété, à notre statut, notre place dans la société. Mais dans un monde... Et tout ça, ça nous enchaîne, tout ça, ça nous empêche de vivre libre. Exactement. Mais si nous vivions dans un monde qui vit libre, où on vit libre, il n'y aurait plus tout ça, c'est ça? Ou ce serait autrement? Comment ça se passerait, alors, selon toi? La notion... On essaie d'imaginer ensemble, tu vois, de le créer. La notion de cette liberté dont tu parles, elle existe déjà dans notre imagination. La notion de paradis. Tu as l'enfer et tu as le paradis. Moi, je considère qu'actuellement, on est plutôt en enfer. Mais on a aussi la notion de paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est Adam et Ève vivant en forêt avec des fruits, des légumes, de la liberté, de l'amour. Tu vois? Donc, si on voulait, reconstruire, alors refaire le monde, bon, c'est un bien grand mot, mais si on voulait améliorer ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas du tout satisfaisant, mon idée, c'est qu'on parte de cette notion de paradis. Alors, chacun a son paradis, mais il y a quand même derrière la notion de paradis, la notion de liberté d'ailleurs, hein, la notion de liberté. La notion d'amour. Et donc un monde comme ça, puisqu'il est dans notre imagination, c'est un monde qu'on peut retrouver. Et on le retrouve d'ailleurs dans les tribus primitives en forêt. Et comment on pourrait le retrouver quelque part, nous, dans un futur proche, dans 100 ans, dans 200 ans, si on y travaille un peu? Comment est-ce qu'on pourrait, nous, retrouver? Ben justement. Quel serait le processus pour y arriver? Il faudrait demander aux humains, il faudrait leur dire, quel est pour vous, comment voyez-vous le paradis, l'idéal, comment voyez-vous une vie idéale? Et probablement que la plupart des gens vont te répondre, moi j'aimerais vivre dans la nature, avec de l'amour, avec de la liberté, etc. Et cette notion-là se rapproche beaucoup de la notion de paradis. Donc on définit le but à atteindre. On dit aujourd'hui on vit en enfer, eh bien on ne pourra pas aller au paradis du jour au lendemain. Mais, alors il y a la notion de planification, il y a la notion de... Donc il y aurait déjà, selon toi, cette question qui me paraît toute intéressante, c'est comment verrez-vous, vous, la vie idéale? Quel est le pour vous? Alors, une vie paradisiaque? Oui, voilà. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent « vie de merde ». D'ailleurs, c'est devenu un slogan « vie de merde ». Mais nous, on parle ici de vie idéale. Comment est-ce que vous feriez l'école dans une vie idéale? Comment est-ce que serait votre travail, votre job, votre façon de servir la société? Vos relations avec vos parents? Comment serait votre dimension, on va dire, politique pour décider de construire une route, un pont, etc.? Je suis d'accord avec toi.
Mais donc ce serait d'abord de poser cette question selon toi. Je suis d'accord avec toi, mais dans le paradis en question, est-ce qu'il y aura des écoles? Est-ce qu'il y aura des ponts? Est-ce qu'il y aura des routes? C'est pas sûr. Bah oui, toi qui es ingénieur, qu'est-ce que t'en dis, ouais? C'est pas sûr. D'ailleurs, l'agroforesterie, c'est assez rigolo. L'agriculture, on était très fiers de nos champs de blé. La France est le premier producteur mondial de blé, etc. Enfin bon, ou les rendements. Bon. Eh bien, on s'aperçoit qu'on était dans l'erreur. Et on a découvert que la meilleure façon de cultiver la terre, c'est de faire de l'agroforesterie. De mélanger les haricots, les arbres, les plantes qui produisent de l'azote avec les autres. De ne pas faire de monoculture, etc. Voilà. Et petit à petit, quand vous réfléchissez à une bonne agriculture équilibrée, vous arrivez. Le modèle, c'est la forêt, monsieur. Comment il s'appelle? Pierre Rabhi. Non, monsieur et madame, là, les deux qui font des analyses de sol. Là. Oui, j'ai oublié. Bourguignon. La famille Bourguignon. Ouais. Leur modèle, c'est la forêt. C'est la forêt, l'humus, etc. L'humidité, le microclimat qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez une plante verte. Qui est en train de crever sur votre balcon, vous la mettez en lisière de forêt, elle éclate, elle se développe. Donc c'est là qu'on retrouve l'équilibre d'ailleurs. Il y a quelque chose qui fonctionne, c'est voilà, un équilibre qui est fonctionnel. Et puis bon, je ne parle pas de tous les... Quand tu parles de biomimétisme, d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. On en parlera dans la prochaine épisode de cette émission. Mais... la nature doit être notre modèle. L'agroforesterie, d'ailleurs, a bien pris la nature comme modèle. Donc, nous sommes... Alors, moi, souvent, on oppose l'homme et la nature. Et en fait, il y a des gens qui me répondent, mais nous faisons partie de la nature. Oui, on en fait partie, mais on a coupé le cordon ombilical, on a coupé le lien de l'homme avec la nature depuis très longtemps. La nature, c'est la forêt dans laquelle on va se promener le dimanche, c'est des jolies photos qu'on fait le week-end, sport d'hiver, enfin. Mais l'homme s'est complètement coupé de la nature. Il a plus de repères. Donc ce serait un monde qui vivrait à l'équilibre libre. Ce serait selon toi un monde aussi qui observe la nature, qui vit en accord, en harmonie avec les principes de la nature. Et qui arrive à observer surtout. Il arrive à constater, à prendre le temps de regarder et de se regarder. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un président, je crois que c'était Eisenhower aux États-Unis, qui a fait une campagne dans toutes les États-Unis où il avait fait prendre des photos des gens, des villageois dans les Américains, on va dire, dans leur métier, dans leur famille, dans leur quotidien, et il les avait fait afficher partout. Et ça avait fait un bien fou aux gens, ça avait créé une sorte de chaîne de solidarité. Les gens se voyaient tels qu'ils sont au quotidien. Donc le mécanicien dans le cambouis de sa mécanique, le boulanger derrière son four, les enfants qui courent. Des scènes comme ça qui étaient diffusées par le gouvernement, c'est-à-dire par une gouvernance qui avait décidé ça. C'était un acte unique en son genre. Et ça avait fait beaucoup de bien parce que les gens arrivaient à s'observer, à se voir, à se constater, à voir, ben oui, on peut s'accepter, on peut s'aimer comme ça. Et quand l'industrie a vu ça, les propriétaires d'industrie ont vu ça, ils ont senti qu'il y avait un coup à jouer, un coup marketing à jouer. Donc ils ont surfé sur cet état de grâce, on va dire, où on se voit, tu vois, on peut être solidaires les uns des autres, se comprendre. Et ils ont pris la même femme au foyer et ils l'ont mis derrière un lave-linge en disant ça c'est l'avenir, tu vois, et tu auras plus de temps pour avoir des loisirs. Et c'est devenu les débuts, on va dire, c'est les prémices de ce qu'aujourd'hui on connaît comme le consumérisme. Et à l'époque, c'était le positivisme, c'est-à-dire tout était positif. D'ailleurs, ils ont fait un super grand salon dans lequel on montrait les robots ménagers qui faisait le travail à ta place. On essayait d'imaginer l'avenir, tu vois, avec ces technologies, avec ces outils, avec ces alcools, ces cigarettes qui venaient de sortir, tout ça. Et on en donnait l'image. Et à la place des images que le gouvernement avait mis pour que les gens se voient tels qu'ils sont, qu'ils soient dans la souffrance ou dans le bonheur. Ça a été récupéré. On ne montrait que des images
de bonheur conditionnel. Artificiel. C'est-à-dire artificiel, exactement. Que tu seras heureux le jour où tu auras ce bacon dans ton plat, comme tout le monde. Mais il y a un homme derrière tout ça, que l'on ignore complètement, parce que c'était un homme qui avait le culte du secret. C'est un neveu de M. Sigmund Freud, il s'appelle Edward Bernays. Edward Bernays a émigré aux États-Unis, donc à l'époque de Freud, hein, et c'est lui qui a lancé toutes ces techniques dont tu parles, la manipulation des foules. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on s'y intéresse, parce que on est tellement bien manipulé qu'on ne sait même pas qu'on est manipulé. Son livre s'appelle Propaganda, si quelqu'un veut le lire. Propaganda. Et quelqu'un qui en parle bien aussi, de la psychologie des foules, ça va être Gustave Le Bon, par exemple. Il en parle très très bien, en disant qu'on peut très bien guider l'imaginaire des foules. Conduire ça et là un peu comme on le souhaite. L'avènement des médias a été ça aussi. Ça a été le fait de dire ah, mais on va pouvoir présenter aux gens de façon simultanée une même information. C'est extraordinaire. Psychologiquement, on peut atteindre tout le monde. Moi, je ne veux pas dire de mal de la publicité. En connaissant les mécanismes psychologiques, on peut faire ça. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire dans cette émission, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, on utilise les médias. Mais pour imaginer un monde dans lequel on va vraiment vivre libre. Et on va vraiment identifier c'est quoi la fausse liberté. Tu vois, en gros, tu penses qu'en achetant cette Mercedes demain, tu seras libre, mais en fait, non. Tu penses qu'en ayant X maisons, appartements et biens immobiliers, tu seras libre financièrement, tel qu'on le dit, mais en fait, peut-être pas. Ou alors, peut-être que ta liberté pourrait coûter celle d'un autre. Aujourd'hui, les meilleurs philosophes ont adopté la démarche totalement inverse, c'est-à-dire au contraire se priver de tous ces biens qui ne sont pas indispensables, essayer de revenir à des choses plus simples, faire soi-même son ménage, laver soi-même sa voiture, enfin je ne sais pas, laver son linge de la rivière, enfin bon, ça paraît absurde. Mais quand on voit que l'on est obligé de perdre son temps, de perdre sa vie à la gagner, c'est un peu dommage, quoi. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Je pense pas. Et qu'est-ce qui provoquerait ce déclic, ce point de bascule, selon toi, pour comprendre qu'on serait personnellement ou collectivement sur la bonne voie ou la mauvaise ? Comment on peut savoir ? C'est quoi le point de bascule ? C'est quoi le moment où on est en train de changer, le déclic ? Ah ben c'est tout ou rien, c'est-à-dire que ou bien on part vers le consumérisme, ou bien on part vers la sobriété heureuse de Monsieur Rabhi par exemple. Hein. Voilà, c'est un déclic à faire dans la tête. Ouais, mais comment ça arrive ce déclic ? Imaginons que... Ah ben voilà. Quand on en a marre, moi personnellement ce déclic je l'ai fait depuis longtemps. Hein. Ouais, vas-y, raconte. Moi je n'ai pas loué des appartements ou acheté des maisons énormes, etc. Je suis dans un petit studio, je vis le plus modestement possible, bien qu'aujourd'hui c'est très difficile, mais voilà. Comment c'est arrivé pour toi le déclic ? Ça s'est passé comment ? Ah ben il est arrivé le jour de ma retraite, quand j'ai regardé le ciel pour la première fois de ma vie, en 40 ans. Là, j'ai réalisé que j'avais perdu mon temps. Je n'ai pas pu m'occuper de mes enfants, etc. Enfin, j'étais trop obnubilé par mon travail et par le fait qu'il fallait que je m'améliore toujours pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir nourrir ma famille, etc. C'est une boule de neige mortelle. Mortelle. Alors, il y a un proverbe que par rapport à ce que tu dis. La retraite t'a sauvé. Comment ? La retraite t'a sauvé, en fait. C'était le déclic pour toi, la retraite. Disons que c'était le dernier carat, c'est-à-dire que j'ai mis quand même 4 ans après ma retraite à me reconstruire. J'étais lessivé. Les psychiatres ont voulu me donner des antidépresseurs, etc. Heureusement, je ne les ai pas pris, mais je suis allé à la campagne, j'ai vécu avec des paysans pendant 4 ans dans les champs de canne, faire des promenades, et ça m'a permis de me reconstruire parce que j'ai été détruit. Et c'est ça qui m'a... C'était HS Caput, le François. Ah oui, complètement. Complètement. Et tu t'es remis en attendant la nature, en allant dans les champs de canne, en marchant. Voilà, en respirant, tout simplement. En jouant, finalement, en retrouvant des loisirs simples, sobres, comme... Voilà, exactement. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur
ce qu'il faudrait faire pour être libre, etc. Bah déjà, on comprend que si quand on est retraité, on a une chance. Donc on peut s'adresser à tous les retraités en disant vous êtes peut-être une chance pour notre société, parce que vous êtes source de déclic. Non, mais le retraité qui fait ce qu'il a envie, ce qu'il aime, c'est ça le paradis. C'est ça la vie, la vraie vie. C'est un peu ce que tu es en train de faire, là. Exactement. Donc il faudrait que tout le monde soit à la retraite depuis la naissance. Mais s'ils le sont depuis la naissance, ils ne peuvent pas comprendre la valeur de cette retraite, tu crois pas ? Non, mais il n'y a plus de retraite. Parce que tu avais souffert avant. Il y a une autre façon de vivre, c'est tout. Tu parlais de bascule. La bascule, c'est ça. D'accord. La bascule, c'est autre chose. On arrête l'école, on arrête les fusées qui vont dans la Lune, on arrête les autoroutes, on arrête même les voitures. Il faut tout arrêter. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il faut se mettre dans l'idée qu'on ne peut vivre sans tout ça. En étant épanoui, en s'éclatant avec les levées de soleil, avec les cascades dans la montagne, se baigner dans la rivière. Mais enfin, voyons, vous êtes malade. Ah, j'aime bien ce monde-là dont tu parles. Alors, le proverbe africain que j'adore, il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village pour élever... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de village. Moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir deux fermes avec... l'une des fermes, on tuait le cochon une fois par an, j'avais assisté à ça. L'autre ferme, il faisait du maïs, etc. Il y avait des vaches. Mon frère buvait le lait au pied des vaches, pour te dire. On était près de la nature. Eh bien, ça m'a construit. On allait dans les rivières pêcher les poissons, etc. Donc, moi, ça m'a construit. Ça m'a construit plus que l'école. Le fait d'être près de la nature. J'étais pourtant une famille de bourgeois. On pouvait dire qu'on n'était pas tellement préparé à cette proximité avec la nature. Les bourgeois, c'est plutôt effectivement la voiture, le luxe, etc. Mais en même temps, j'étais dans la nature et j'en ai profité. J'étais un enfant sauvage. J'ai le fils aîné de 4 enfants. J'ai entraîné mes frères et sœurs dans la forêt, dans les expéditions. On se construisait des cabanes, enfin... Tu as une connexion avec ce passé-là où tu étais enfant, où tu étais avec la nature. Comment se fait-il qu'à l'âge adolescence, à l'âge adulte, au lieu de choisir la nature, tu as choisi l'ingénierie et on va dire la voie bourgeoise ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la culture occidentale. Ma maman avait bien compris que je m'intéressais aux animaux. Elle me dit « Bon, je te verrais bien professeur de sciences naturelles ». Aujourd'hui, on dit sciences et vie, biologie. Oui, biologie. Et mon père a dit « Non, 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 pas question, les garçons, il faut qu'ils fassent des mathématiques, il faut qu'ils soient ingénieurs. » Mais comme j'étais nul en maths, ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une école de commerce, c'était entre les deux. Mais j'étais contrarié, en fait. Contrarié, c'était en fait, tu serais allé vers la nature si on ne t'avait pas contrarié. Exactement, exactement. Et tu serais allé vers ton oncle, c'est ça ? M'avait pas obligé. C'est ton oncle qui était comme ça ? Voilà, à partir sur la voie du progrès. Qui buvait le lait de vache à la pille, comme ça, là, ça c'est bon, ça. Ouais. Non, on ne connaît plus ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la retraite, justement, je me suis replongé dans le monde de la nature. C'est fort. Ça t'a mis 40 ans, 50 ans avant d'y revenir. Ouais. 50 ans. C'est du temps perdu, mais bon. Ou gagner à comprendre que c'était la mauvaise voie. On ne peut pas vivre en dehors de son époque. Donc j'ai vécu une époque, elle est qui est-ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et je dis attention. Maintenant que tu as vécu, tu as payé le prix, toi aujourd'hui, tu dis aux spectateurs, ne refaisons pas la même erreur. Exactement. Arrêtons-nous là, changeons l'école totalement, changeons notre rapport à ce qu'on appelle travail et à ce qu'on appelle retraite. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que les motivations, les actions sont faites pour l'argent. Pour un intérêt, quoi, en quelque sorte. Un statut. Parce qu'on s'imagine que l'argent nous donne le pouvoir et la liberté. Or, c'est tout à fait le contraire. Hein. Bon. Ça nous a c'est servi, le contraire pour ceux qui en ont. C'est comme l'histoire du savetier de financier. Hein. Le savetier était heureux, il chantait. Le savetier avait peur qu'on lui vole son argent. Donc personne n'est heureux dans ce système. Et le financier, un jour, le financier va donner un sac d'or, de 100 pièces d'or au savetier. Le savetier, il commence même à avoir peur de son chat, peur que le chat ne lui vole. Il n'endort plus la nuit, il arrête de chanter, il arrête son métier. Donc, il est soucieux de cet argent, il n'a pas encore dépensé une seule pièce d'or et il le ramène en entier le surlendemain au financier en lui disant « Je te rends ton or, rends-moi mon somme, rends-moi mon sommeil. » Je préfère chanter, voilà. Eh bien, le jour où tout le monde aura compris que nous sommes des humains, nous faisons partie de la nature, nous sommes des mammifères comme tous les autres, et que le but de l'humanité, qui est soi-disant intelligente, c'est d'être épanouie. Donc
Le but, ça n'est pas d'amasser de l'argent, qui est un bonheur artificiel et qui n'est pas du tout satisfaisant pour personne. Le but de la vie, c'est que chacun soit épanoui et heureux. La planète Terre est coupée en deux. Il y en a la moitié qui ont trop d'argent, il y a l'autre moitié qui n'en a pas assez. C'est pour ça qu'il y a des tensions terribles, c'est pour ça que M. Poutine est en train de nous faire la guerre. C'est pour ça que... Arrêtons. Pour l'histoire du... J'ai fait un article récemment dans la presse locale pour l'histoire de l'Ukraine. Mmh. Comment tu fais tes articles? Tu écris et puis tu envoies à la presse et ils le publient comme ça? En général, c'est dans le courrier des lecteurs, oui. Le courrier des lecteurs. Tu envoies un mail et puis... C'est quelquefois en rédactionnel, mais c'est assez rare. Tu envoies un mail et puis il est possible qu'il le publie. Oui, moi j'ai mon carnet d'adresse. Donc, chers téléspectateurs, sachez que vous aussi, vous pouvez écrire. Et si apparaître dans le journal, dans la presse. Il faut communiquer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Toi, si tu avais à dire ce que tu as sur le cœur, pour donner un mot là, pour la fin de cette émission en une minute, de dire par où est-ce qu'on pourrait commencer ensemble, avec nos téléspectateurs, par où est-ce qu'on pourrait commencer ensemble pour aller faire un pas vers ce monde dont nous venons de parler pendant 25 minutes? C'est ce que je viens de dire sur l'argent, c'est-à-dire... arrêter de courir après l'argent, il faudrait courir après le bonheur, simplement. Courir après l'épanouissement de ses enfants d'abord, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Et malheureusement, les enfants, je ne sais pas s'ils subissent une éducation qui les prépare à s'épanouir. D'accord. Merci beaucoup, François. Chers amis, chers téléspectateurs, nous avons vu qu'être curieux, ça peut nous apporter, qu'avoir du temps libre de loisirs aussi, que nous pouvons imaginer le paradis dans lequel nous pourrions vivre libre. Comment est-ce que nous pourrions voir aussi une vie idéale dans laquelle nous sommes? Nous pouvons l'imaginer, nous pouvons le créer ensemble. Comment on peut être en accord, en harmonie avec la nature, et comment nous pouvons transformer tout ça pour pouvoir vraiment vivre libre ensemble. Sentiers battus.